Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre sélection pour le genre apocalyptique. Donc, cette vidéo sera séparée en deux parties. Première partie, la sélection pour les ados. Et deuxième partie, la sélection pour les adultes. Donc, la sélection pour les ados, je pourrais à peu près vous dire l'histoire. Mais pour les adultes, je vous mettrai les chroniques de ma mère en barre d'infos. Car vu que c'est pour les adultes, je ne les ai pas lues. Donc on commence tout de suite avec War Buddy de Isaac Marion, publié chez le Livre de Poche. Donc il est aussi sous le nom de Vivant. Et là c'est la couverture du film. Donc on va suivre R qui va tomber amoureux d'une humaine. Sauf que à la base, l'amour entre zombies et humaines, bah c'est pas possible. Et du coup on va les voir vivre leur amour dans ce monde rempli de zombies. Un autre livre, c'est Apocalyptique de Christiane Grenier, publié chez Éditions Rajo dans leur collection Heure Noire, et c'est de la série Les Enquêtes de Logiciel. Donc Logiciel va enquêter à la base sur la disparition de son commissaire, mais au moment où elle enquête, il y a une panne totale d'électricité, sauf que c'est pas une panne, en fait c'est depuis plusieurs jours ça le fait. Bah, depuis cette panne, il n'y a plus d'excès du tout. Donc du coup, elle va enquêter pour savoir qui se cache derrière ceci. On a aussi Red Rising de Pierre Brosse, publié chez éditions France Loisirs. Donc ce livre, en fait, c'est après la colonisation des humains de Mars. Donc on va suivre Darrow qui va s'infiltrer parmi les ors. Donc les ors, c'est les gens les plus riches, les plus nobles, ceux qui ont un beau travail. Et lui, il fait partie de ceux qui travaillent sous Mars et qui sont pas bien payés et qui doivent remporter un trophée pour avoir plus de nourriture. Donc c'était vraiment une très belle lecture et il me semble qu'il y a un tome 2 que j'ai très très hâte de lire. Il y a aussi ici C'est la fin du monde de Tommy Wallace, publié chez Édition Nathan. Donc ce livre, vous avez sûrement dû l'apercevoir sur la chaîne parce que je crois que c'est la semaine dernière que je l'ai lu. Alors on va suivre 4 adolescents. Et on va les voir évoluer quand ils vont apprendre que un astéroïde va s'abattre sur la Terre. Et c'est vraiment une très très belle lecture. On a Dégénérance de Léna Jemahé, toujours publiée chez Édition France Loisirs. Donc on va suivre Adi et Julian. Julian fait partie de la population la plus pauvre. Et Adi fait partie de la population la plus riche, chez elle, la princesse du monde. Et sauf que Julian va rencontrer Adi parce que Adi est malade. Et Julian, du coup, vu qu'il est pauvre, on l'a pris pour lui greffer, bah, pour lui prendre des organes et les greffer à Adi. Et le dernier livre pour les adolescents, c'est Ciel, tome 1, L'hiver des machines, de Johan Helio, publié chez Éditions Gulfstream Éditeur. Donc dans ce livre, on va suivre comment l'intelligence artificielle va s'emparer de la Terre et des humains. Donc là, je vais vous présenter du coup les livres spécialement pour adultes. Donc on a Remade, le tome 1 de Alex Caro, publié chez Édition Casterman. Alors ce livre, on va suivre les personnages qui vont découvrir qu'il y a un virus qui est présent et qui tue littéralement. Bah, il me semble qu'il les tue, mais aussi ils sont en décomposition, on les voit un peu manger. Sauf que ce virus va beaucoup beaucoup muter et du coup bah, les personnages vont essayer de trouver des solutions, vont essayer de fuir, de trouver quelque chose pour pas que le virus les contamine. On a Mère morte de Aurélie Willensday, publié chez Édition Screenéo. Donc personnellement j'adore la couverture. Et en fait il y a des esprits dans la mer qui vont punir, châtier les humains pour ce qu'ils ont fait à la terre et à la mer. Donc je peux pas vous en dire plus, mais je vous mettrai du coup les avis de ma mère en barre d'infos. L'avant-dernier livre, c'est Endgame, tome 1, L'appel, de James Frey et Neil Johnson Skelton, publié chez Édition Gallimard. Donc on va suivre des personnages qui vont devoir trouver 9 ou 7 clés pour sauver la terre, parce que la terre est menacée, et ainsi que les humains qui y habitent. Donc j'adore la couverture et en plus il y a des reliefs partout et aussi le logo que le serpent mord la queue de l'autre serpent. Je trouve cela hyper hyper beau. Et le dernier livre, c'est Mira, la bataille de l'eau, de Kran Ima, publié chez Éditions Josei.
Donc on va suivre Pascal qui a un pouvoir et en fait elle permet de régénérer les blessures des gens blessés qui vont à la guerre. Et dans ce livre, en fait, l'eau est appelée l'or bleu parce qu'il y a beaucoup, en fait, il n'y a plus beaucoup d'eux et on se bat pour en avoir un peu. Donc voilà, c'est tout pour cette sélection. Je vous mettrai les avis de ma mère, les miens, en barre d'infos. N'hésitez pas à faire un tour si un de ces livres vous plaise ou vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir bah, si un livre vous a plu, si un livre vous a intéressé ou au contraire si un livre vous ne l'avez pas plu ou ne vous a pas plu du tout. Je viens de me répéter, mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.